Devenir champion en grammaire, c'est possible. Bienvenue dans la présentation de cette méthode de grammaire nommée Les bases de la grammaire dans la collection Je joue et j'apprends de chez Nathan, conçue par une orthophoniste. Les bases de la grammaire est constituée d'un livre et de cartes. L'objectif sera de faire découvrir à l'enfant les structures de la grammaire en présentant les personnages, le verbe, le déterminant, le nom commun, l'adjectif, le nom propre, l'adverbe, le pronom personnel. Chaque classe grammaticale est personnifiée par un petit bonhomme rigolo auquel on va s'attacher et dont on voudra en savoir plus. Ces personnages vont permettre à l'enfant de mieux mémoriser les classes grammaticales, chose souvent difficile en milieu scolaire, car trop abstrait pour les enfants. On découvre ici, par exemple, le roi verbe. Ou bien l'adverbe, qui ici chuchote des informations au verbe. Voici le verbe roi. Il aime bien commander, c'est lui qui décide ce que les autres mots vont faire. L'objectif numéro 3 est de permettre à l'enfant de mieux mémoriser chaque personnage grâce à une petite histoire qui donnera les caractéristiques grammaticales de chaque mot. Donc les bases de la grammaire. Ce petit livre permet de découvrir les classes grammaticales à travers de petits personnages amusants. Ici, on va découvrir le déterminant et le nom commun. Les noms communs sortent rarement tout seuls. Ils sont presque toujours accompagnés par leur petit fidèle petit toutou. Donc ici, on a le déterminant qui est symbolisé par un chien. Et dessus, on verra toujours la lettre D pour permettre à l'enfant de bien se souvenir de qui il s'agit. Dans le livre, on propose une manipulation, c'est-à-dire que l'enfant va chercher à trouver des cartes déterminants et puis ensuite il peut les manipuler. On va regarder ensemble avec Marguerite. Est-ce que tu peux nous présenter les petits déterminants ? Oui. Merci. Voici le déterminant D, voici le déterminant LE, voici le déterminant UNE, voici le déterminant LA, voici le déterminant LE et voici le dernier, le déterminant UN. Voilà, ces cartes vont permettre de manipuler et de jouer, de créer des phrases à partir de chaque classe grammaticale. On trouvera également des petits jeux au sein du livre pour s'entraîner et pratiquer. Le jeu de Trouve l'intrus. On peut utiliser le livre avec les cartes, et c'est d'ailleurs très recommandé. Voici donc toutes les cartes disposées autour du livre. Il y a des petits exercices qui sont proposés. Un système autocorrectif permet de laisser jouer l'enfant seul. Par exemple, ici, les accords au sein du groupe nominal avec des petites pastilles qui permettent de s'autocorriger. Dans le groupe nominal, l'ensemble des mots doivent être habillés pareil. Quand le nom commun sort avec un déterminant, un adjectif, ils s'habillent tous pareil. On dit qu'ils s'accordent ensemble. Ils forment une belle équipe, le groupe nominal. Grâce aux cartes, nous allons pouvoir manipuler le groupe nominal et regarder avec l'enfant manipuler, accorder des groupes nominaux. Je suis en train de faire. Alors, comment ça marche, Marguerite ? Alors, il faut que les groupes nominaux, s'habillent pareil. Parce que si, regardez. Là, il y a marqué D avec un S. Tout à fait. Mot avec un S. Rigolo avec un S. Donc là, ils sont tous habillés pareil. Ben oui. Donc c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Que si il y a le une. Le déterminant une. Qu'est-ce qu'il a oublié, lui ? Il a oublié son S. Du coup, monsieur les gardes, il va venir le chercher. Tout à fait, voilà. Et merci. Regardez. Ah. Et aussi, là, il y a marqué les étoiles magiques. Oui. Et si on met une, ça peut pas marcher. Comme il faut
pas de S si on met une. Voilà, s'il n'y a pas de S, tout le monde ne porte pas de S. Oui. Voilà, il faut tous s'habiller pareil, c'est la règle. Si le déterminant n'a pas de S, et ben tout le monde ne doit pas avoir de S. Voilà. Et si le déterminant en a, il faut qu'il y en... Voilà, tout le monde doit être toujours pareil. Oui. Comme vous pouvez le voir, la méthode est très ludique et l'enfant se l'approprie facilement. Le livre est donc livré avec 54 cartes qui vont permettre de développer la créativité de l'enfant en lui permettant de fabriquer des phrases et de les manipuler pour former par exemple des groupes nominaux, des petites phrases ou même de longues phrases. Grâce aux cartes du jeu, on peut fabriquer des phrases. Ici, nous avons « Marc mange doucement des mots rigolos ». Et on peut proposer de la manipulation. Alors, Marguerite, par exemple, est-ce que tu peux changer l'adverbe dans la phrase ? Oui, je le peux. Et cela change... Marc mange gaiement des mots rigolos. Très bien. Est-ce que tu peux changer l'adjectif, par exemple ? Oui. Qu'est-ce que ça donne comme phrase rigolote ? Ça donne... Marc mange gaiement des mots magiques. Génial. Et est-ce qu'on peut changer le verbe ? Oui. Marc cherche gaiement des mots magiques. Super. Voilà, plusieurs possibilités avec ce jeu de cartes, de créer des phrases, les changer en travaillant les classes grammaticales. Et le nom propre ? Et le nom propre. Allez, on change le nom propre. Qu'est-ce que ça donne ? Léa cherche gaiement des mots magiques. Voilà, et ça se lit dans les deux sens. Merci. La mallette est fournie avec un jeu pour automatiser les acquis. Voici un type de carte. Nous voici donc avec le jeu de la mallette Les bases de la grammaire. Donc c'est un jeu sous forme de 8 américains, donc comme le Uno un petit peu. Il s'agit donc de jouer soit sur la catégorie grammaticale, on a un adverbe qui a été posé ici, qui est de couleur verte, on peut jouer soit du vert, soit des adverbes. Je te laisse commencer, Marguerite. Je pose le verbe écrire. Très bien. Alors elle pose du vert sur du vert. Elle pose un verbe, donc du coup je vais aussi poser un verbe, je pose le verbe brille. Je pose le pronom personnel elle. Je pose le nom commun étoile. Je pose le nom commun prince. Je ne peux pas jouer, donc... Ah si, je peux jouer. J'ai le nom commun pomme. Je peux poser le nom commun chien. Voilà, au travers du jeu, l'enfant va devoir répéter la catégorie grammaticale en posant sa carte, ce qui va lui permettre de mémoriser l'ensemble des catégories. Le nom commun mot. Moi, je te mets un plus 2. Ah, voilà, donc le côté uno. Hop, je remets un plus 2. Donc là, pas rigoler, Marguerite doit prendre 4 cartes. Mais elle va peut-être s'en sortir après, hein, et quand même gagner. Il y a d'autres jokers comme le boomerang ou les couleurs. Voilà, cette méthode, j'espère, vous plaira. Elle a fait ses preuves en cabinet d'orthophonie, où j'ai pu tester ce matériel auprès d'enfants de CE1, CE2, et même enfants plus âgés qui n'avaient pas intégré ces notions parfois très abstraites. Et les acquis se sont opérés pour l'ensemble des enfants qui ont testé la méthode, et ce, dans le plaisir et la joie, notamment par ce jeu très efficace auprès des enfants. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt, j'espère.